Salut les amis, nouveau vlog depuis la Belgique. Quelques heures avant mon retour au Maroc, je voulais vous emmener avec moi pour découvrir ma ville, Liège, la ville où j'ai grandi. Je vais retrouver des amis et découvrir l'exposition dont fait partie Constant. Il est parti au Maroc avec moi 2 fois et là il expose ses photos. Voilà, c'est parti, en route, direction Liège. À Liège. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de ton exposition avec trois autres. Le finissage, ouais. Ce qui m'a fait plaisir en rentrant dans l'exposition, c'est que c'est direct des photos de Constant, des photos du Maroc. T'as choisi que des photos de ton voyage au Maroc? Ouais, uniquement des photos du Maroc, ouais. Comment s'est fait le choix? Qu'est-ce que ça te fait d'exposer comme ça? C'est la première fois? Déjà, c'est la première fois, donc ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et déjà, ce voyage, on l'a vécu ensemble, deux fois déjà. Et ouais, l'expo s'étale sous forme de road trip, des photos du désert, de la ville, des photos des montagnes. Il y a pas mal de photos qui ont été prises de la voiture notamment. Donc plein de chouettes rencontres qui ont duré quelques jours, une journée, quelques heures aussi. Ouais. Donc ça a été un voyage de cœur en tous les cas. Ouais. Ne serait-ce que par les couleurs, les rencontres que j'ai fait via toi aussi. Et voilà, j'ai pu participer un peu de loin, j'ai vu un peu émerger ton projet aussi. Maroc en conscience. Ouais. Donc j'ai été là un peu une infime partie. Donc ouais, c'était chouette. Et tes meilleurs souvenirs? Il y en a plein.
Il y en a plein, mais en tous les cas, rien n'était prévu durant ce voyage. Le dernier, non? Ouais. Rien n'était prévu. On changeait de route tous les jours. On savait pas trop où tout ça allait nous mener. Donc, la neige. Ouais. Ouais, j'avoue. Donc on a les petites bouffes dans les villages, c'était ouais. Ouais, j'avoue. Un petit mot pour les abonnés du journal. Ben je crois dur comme fer au message de Stéphane. Je sais que tout va très très bien se passer. Et j'ai pleine confiance en ton projet et j'espère que la prochaine fois que je viendrai, tout sera bien en place. Et, Oui, il y a un truc que je voulais parler avec toi. Moi, je t'ai passé un livre il y a quelques mois qui s'appelle « Le hasard n'existe pas » et je vous en parlerai très bientôt. Ouais. Je te disais la dernière fois qu'il existe des centaines de livres sur le développement personnel. Ouais, j'avoue. Mais on pourra en retenir qu'un seul, bah celui-là, il serait bien. Comment tu le sens? Qu'est-ce qui t'a déjà apporté? Le livre, je ne l'ai pas fini. Ouais. J'en suis aux trois quarts. Et effectivement, ouais. Tu le conseillerais? Ouais, bien sûr. Le livre n'est pas adressé à... Il est un peu adressé à plein de gens, en fait, à tout le monde. Ouais. Et ouais. À plein de gens qui ont des projets. Et en fait, en résumé, c'est tu veux, tu peux. Tu peux, tu veux. Enfin, ouais. Il n'y a qu'à vouloir très très fort quelque chose et il te donne des clés pour réussir. Exactement. Ouais. Donc, merci à toi de me l'avoir passé. Parce que ce livre est hyper riche en tous les cas. Et toi, c'est depuis peu que tu t'intéresses à la lecture, non? Bah, j'ai souvent lu des romans depuis toujours, mais je me suis beaucoup intéressé à ce genre de livres, bah, notamment avec toi, il y a déjà 2-3 ans, où tu m'as donné un peu goût à ce genre de lecture. Et j'essaye de trouver le temps en tous les cas. Est-ce que ça a changé des choses? Ça a changé pas mal de choses, ouais. Dans ma vision de voir les choses, bien sûr. On pourrait faire une interview, en fait. On pourrait, ouais. Dis-moi, pour ceux qui seraient intéressés, où peut-on te retrouver sur Internet? Sur Internet, je suis assez présent sur Instagram, avec mon nom, mon prénom et mon nom, Constantinos Karoulidis. Et ouais, j'y mets pas mal de photos et pas encore de site. Donc sur l'Instagram en attendant, ouais. Okay. Bah, allez voir ces photos et déchire. Merci Stéphane.